Thank you, James. Hi, welcome everyone. We here from the Guadeloupe Islands. I'm Audrey, Director of Operations and Growth at an Innovation. I'm very happy and very honored to be here today from Guadeloupe and the headquarters of Village by CA, which is the sponsor of today. I can see a lot of people connecting from North America, South, Central America, Caribbean. I know, James, you probably introduced a few people, but so everyone understands, we are in a hybrid format today. And we'll talk about finance and energy transition leaders. I see hello from Virginia, from St. Kitts and Nevis, USA, Trinidad and Tobago, Barbados. That's good to see. Well, thank you so much. I'll introduce today and I'll leave the lead to Priscilla, which is our moderator. She will present the session of today. And we'll talk about the ecosystem of Guadeloupe and accessing to finance. So thank you everyone for joining. And again, have a wonderful session. Bonjour tout le monde. Bienvenue. We cannot hear you. De financement, comment les financements peuvent être levier au développement des énergies renouvelables, donc des innovations énergétiques, comment on peut booster cette innovation énergétique par des leviers de financement public ou privé, et nous discuterons également de comment cela peut être une opportunité pour nos territoires et plus largement les territoires insulaires de devenir des territoires bas carbone. Donc on a le plaisir d'avoir trois intervenants aujourd'hui. Donc on a M. Bruno Mignon qui est donc assis à côté de moi. Donc merci puisque vous êtes le représentant et le président de l'Union. Vous nous recevez. Donc merci. Nous avons également donc en ligne les deux intervenants. Mika Mered, qui est le secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po. Donc c'est la chaire qui est dédiée à l'Outre-mer. Et également un spécialiste de l'hydrogène avec qui on pourra échanger aujourd'hui sur ces sujets. Et enfin, on a Pierre Herouès, qui est le fondateur de Biomarine, qui est le plus gros réseau de Seaweed First, qui œuvre à accélérer la culture donc des algues marines, et également fondateur du Blue Forward Fund, qui vise à booster l'économie bleue, et notamment donc, dans des territoires insulaires comme les nôtres. Donc, on va commencer par M. Rosan Mounien, donc, comme je disais, qui est président du Village BAECA. Donc, vous êtes une banque de territoire, le Crédit Agricole. Vous êtes un des premiers conseillers, donc de premier plan de porteurs de projets. Vous les accompagnez concrètement. Est-ce que vous pourriez nous partager votre constat aujourd'hui autour de la création dans le cadre des énergies renouvelables? Comment vous sentez aujourd'hui le marché, peut-être particulièrement en Guadeloupe? C'est un marché qui est très dynamique. Et nous, en tant que banque du territoire et banque verte, on se devait d'être un des acteurs majeurs de l'accompagnement de cette dynamique retrouvée depuis 3-4 ans. Et donc, on n'a pas hésité à le faire sur des projets qui étaient typiquement locaux et des projets de grands groupes qui intervenaient sur des sujets tels que des éoliennes ou des grands parcs de photovoltaïque. Et puis, on a commencé à s'intéresser aussi à une autre dynamique qui était celle des créateurs. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément outillé pour faire face aux demandes, aux besoins, aux conseils qui étaient sollicités par cette dynamique naissante autour de sujets sur la transformation de la sargasse, sur le traitement des déchets, sur la distribution et l'accès, la facilitation de la mobilité avec les bornes de recharge pour les véhicules électriques, aussi sur des sujets qui concernaient jusqu'à présent essentiellement les entreprises et des grosses structures de développement sur le photovoltaïque, mais c'est aussi l'arrivée du photovoltaïque chez les particuliers et non plus uniquement ceux qui n'avaient pas accès au réseau électrique traditionnel, mais vraiment dans une dynamique premièrement de transition de ces personnes, mais aussi d'économie
financière, puisque on a tous fait le constat de cette dépendance des îles de manière structurelle au diesel et au carburant fossile. Et aujourd'hui, avec la situation économique, il y a vraiment un revirement qui se fait et donc des réponses qui existaient, qui ne trouvaient pas preneur, qui commencent également à se rapprocher du particulier. Donc, on voit que la dynamique se joue autant sur l'innovation vers comment on va exploiter les ressources que l'on a et comment on peut se rendre indépendant vis-à-vis de l'import de matières premières, mais également vers comment on va transformer les technologies qui jusqu'à présent étaient utilisées uniquement par les industriels, par les entreprises, vers le particulier qui est aussi de plus en plus sensible à ces sujets dans ses choix d'investissement. D'accord, merci de votre retour. Et justement, en termes, si on reste sur la partie financement, comment le Crédit Agricole aujourd'hui, et notamment donc via le village, comment vous souhaitez vraiment pousser ces innovations et notamment accompagner donc les porteurs de projets? Vous venez de nous dire qu'il y a des gros porteurs, il y a des plus petits porteurs également, mais c'est nécessaire, il faut cet équilibre. Comment aujourd'hui vous voyez l'avenir, en tout cas pour ces financements? On a dû nous-mêmes se remettre en question et accepter qu'on n'avait pas forcément les réponses d'un point de vue financement traditionnel de la création d'entreprises pour faire face à ces nouveaux porteurs de projets. Et donc, notre première étape a été de comment on va faire pour les comprendre, pour être très en amont sur les projets, pour aider aussi à ce qu'ils soient le mieux structurés possible et qu'ils puissent répondre aux contraintes de financement via des fonds d'investissement, via les solutions qui existent au niveau national et international. Et donc, on a lancé le village, ce qui nous permet de travailler avec eux sur une montée en puissance sur leur capacité, premièrement à se vendre, deuxièmement à mobiliser le maximum de ressources et troisièmement à grandir en tant que chef d'entreprise et donc d'avoir toutes les chances de réussir. Mais nous, on ne pouvait pas rester non plus sans bouger. Parce que quelque part, on est en train d'ouvrir une porte, on est en train d'ouvrir de l'espoir et l'envie vers la création. Et donc, nous aussi, on a travaillé les sujets. Donc, on est en train de mobiliser les acteurs. On a signé un partenariat avec une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Fidelios et qui va nous permettre de mettre en valeur et de rapprocher les projets innovants, structurants et guadeloupéens avec l'épargnant guadeloupéen qui a une tradition de sécurité de son épargne, mais qui est de plus en plus sensible à ce type de sujet et donc qui est prêt aussi à franchir le pas. Et aussi montrer l'exemple en tant qu'investisseur, puisqu'on ne va pas se contenter d'être une banque de détail traditionnelle, mais on va aussi prendre notre casquette d'investisseur et d'accompagner quelques projets qui sont marquants, qui ont un impact et qui vont transformer profondément notre approche à la gestion des déchets et la capacité à transformer en énergie pour le développement du territoire. D'accord. Est-ce que vous auriez des exemples concrets? Tout à l'heure, vous parliez de photovoltaïque, c'est vraiment l'énergie la plus poussée aujourd'hui sur les territoires, en tout cas d'outre-mer français. Vous parliez donc d'éolien, vous parlez aussi de déchets pour créer de l'énergie. Est-ce que vous auriez des exemples peut-être concrets à nous donner ou en tout cas des pistes sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui sur ces sujets? Tout à fait. On a, par exemple, Active SMO, qui est capable de transformer la sargasse en charbon actif, qui est utile, et en biochar, qui sont des apports utiles pour la lutte contre la dépollution des sols, notamment sur le problème de chlordécone que l'on a et qui limite l'exploitation de nos sols vers une souveraineté alimentaire, et qui aussi est capable de produire de l'hydrogène vert, sans impact. Et donc, on a l'archétype même du projet qui est capable de s'implanter dans toutes les îles, qui est capable également d'être totalement autonome dans son environnement et qui exploite une ressource que les dernières études estiment comme très importante, hein, parce qu'aujourd'hui, la sargasse démarre de l'Amazonie jusqu'en Amérique du Nord, jusqu'en Floride. Et fait un pont entre le Brésil et l'Afrique. On parle de 100 mètres de profondeur. Donc, on a une ressource importante, disponible, qui aujourd'hui est traitée comme un déchet,
comme une contrainte à l'exploitation touristique et qui peut devenir la matière première de demain, à la fois pour nous rendre autonomes sur un certain nombre d'énergies et d'accélérer le développement de la transition de la mobilité dans nos îles qui est essentiellement dépendant du véhicule individuel. Donc, voici un exemple concret d'un projet innovant, complexe à financer, où on n'a pas de repères traditionnels, où on n'a pas d'experts, même à l'international, qui est en mesure de nous accompagner. Et on a choisi de nous-mêmes trouver les solutions, de les proposer, d'embarquer d'autres partenaires financiers sur le sujet et de montrer l'exemple en frappant très fort sur la table et en disant que nous, on va le faire. Il faut que les autres aussi prennent leurs responsabilités. Donc, quand une entreprise privée s'engage aussi fortement, on est sûr derrière d'embarquer les collectivités, les forces gouvernementales et les ressources qui sont disponibles pour aider à cette transition. D'accord. Ça fait le lien avec une des questions, parce que je vois qu'il y a une question sur, justement, est-ce que les territoires d'outre-mer français ont le pouvoir de financer eux-mêmes leur propre innovation, selon vous? Donc, une question qui a été posée sur le chat. Le pouvoir, il existe toujours parce qu'on a la capacité, avec l'épargne privée, de le faire. Donc, trouver les passerelles qui vont permettre une plus grande confiance des investisseurs particuliers, des gros investisseurs également, vers l'innovation et notamment sur le sujet de la transition énergétique et la transition économique plus largement. Et puis, on a aussi une adaptation de l'offre bancaire parce qu'on voit de plus en plus de sensibilité sur le sujet. Nous, on a démarré via le village et on voit que les autres banquiers de la place commencent à regarder différemment. Et puis, il y a un dernier point qui est important, c'est qu'on sent une volonté gouvernementale d'écouter ce qui se passe, d'adapter, parce qu'on a énormément de ressources qui sont disponibles et qui ne sont pas mobilisables compte tenu des critères d'éligibilité à ces ressources. Et d'entendre on est sur des structures qui peuvent être innovantes, mais qui vont aller sur des marchés de plus petite taille et qui vont avoir des tailles qui sont bien moins importantes. Et donc, il faut être en mesure d'adapter les conditions d'entrée sur les fonds d'investissement, les conditions d'entrée sur les subventions et les aides pour permettre de donner un coup de pouce au démarrage à ces structures et qu'elles se renforcent en termes de haut de bilan et qu'elles soient capables ensuite de regarder les différents marchés qui s'offrent à eux. Et donc, je pense que les choses sont en train de bouger, mais il nous faut des exemples marquants. Il va falloir que l'on communique significativement sur ceux qui sont en train de réussir sur l'innovation, de manière à ce que, un, il y ait de moins en moins de crainte des partenaires financiers sur ces sujets par rapport à la taille des entreprises locales, et qu'on accompagne très rapidement ces entreprises vers l'international, vers les autres îles de la Caraïbe et bien au-delà, de manière à ce qu'elles deviennent suffisamment solides sur leur innovation et qu'elles puissent aussi attirer des investisseurs à l'international. Et est-ce que vous avez déjà, du coup, décelé les principales attentes quand vous recevez un porteur de projet qui a un projet dans le développement durable, dans les énergies renouvelables? Est-ce que vous avez déjà, du coup, pressenti ses principales attentes quand il débute, hein, tout simplement, et quand il vient vous voir en tant que finalement chercheurs de subventions, enfin en tout cas de fonds, pardon. Les principales attentes sont autour de l'accompagnement, parce qu'on a des toutes petites structures qui ont déjà des besoins de grandes entreprises. Et donc, et c'est vrai qu'on le ressent parce qu'ils ont des besoins d'avoir un RH, parce qu'ils ont des recrutements significatifs avec des niveaux de qualification qui sont importants, donc ils ne doivent pas se tromper. Ils ont des besoins d'accompagnement comptable et financier qui sont du niveau de très grandes entreprises, parce qu'ils font recours à des montages extrêmement complexes que des experts comptables non initiés à ces sujets ne peuvent pas apporter de valeur ajoutée à leur demande. Donc, ils ont besoin d'aller vers le haut niveau sur ces sujets. Et donc, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement. Nous, on essaie d'apporter un certain nombre de solutions. Et puis, il y a peut-être aussi le financement de cet investissement sur l'homme. Et ça, ce n'est pas dans notre culture. On a un investissement significatif en termes d'expertise autour d'eux qui n'est pas forcément à la portée de leur bourse au départ et qu'il va falloir que l'on organise avec la région, avec les autres acteurs qui peuvent accompagner au travers d'aides. Ce premier investissement sur l'homme qui, lorsqu'il arrive jusqu'à nous,
a déjà passé un certain nombre d'étapes et a déjà prouvé qu'il est en mesure d'accélérer son projet. Et nous, on doit être en mesure de l'accompagner, de lui donner tous les outils disponibles pour lui permettre de réussir. Merci, M. Mounian. Donc, je rappelle, vous êtes Rosan Mounian, donc représentant et président du village Baye Crédit Agricole. Le titre précis, c'est oui. Maire. Maire, d'accord. Village. Maire du village Baye Crédit Agricole, puisqu'une question était posée de rappeler votre nom. Alors, je vous propose d'échanger avec M. Mered Mika, donc, qui est en live avec nous, donc connecté au Zoom. Je rappelle qu'il est secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po, donc une chaire dédiée à l'Outre-mer, et également spécialiste de l'hydrogène. Donc, bonjour M. Mered. Donc, on va effectivement faire un pont avec ce qu'on vient de dire, puisque j'aimerais savoir si vous pouvez nous exposer vraiment votre lecture des opportunités aujourd'hui, donc de développement des énergies renouvelables en Outre-mer, et particulièrement en termes de financement de ces innovations. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, good afternoon to everyone. Greetings from Paris. I will switch to French because that's the medium, the language of this panel, and I will try to speak as slowly as possible for our interpreters to interpret, basically. Donc, merci vraiment à toutes et à tous d'avoir organisé cet échange. L'idée, elle est assez simple aujourd'hui, c'est que les territoires ultramarins français, bien sûr, mais aussi britanniques, danois, américains, néo-zélandais, australiens, coréens et bien d'autres, mais en fait, tous les territoires qui sont insulaires ou qui soient archipélagiques sont des territoires aujourd'hui dans lesquels l'innovation en matière d'énergie propre, renouvelable, nouvelle, appelez ça comme vous voulez, est absolument fondamentale. Elle est fondamentale pour trois grands aspects. Le premier aspect, c'est évidemment de pouvoir trouver, développer des débouchés d'économie endogène sur les territoires, donc développer de la croissance et du développement endogène sur les territoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout simplement faire en sorte que les territoires insulaires ne soient plus des territoires où vous allez avoir une entreprise, un acteur, quel qu'il soit, extérieur à cette île ou à cet archipel, qui va venir amener du capital, qui va venir amener des matériaux, qui va venir amener, bien sûr, des travailleurs spécialisés, spécifiquement, qui va extraire une ressource locale et puis ensuite va repartir. Dans ce genre de modèle d'économie exogène, tout simplement, il ne reste pas grand-chose pour les systèmes insulaires qui sont de fait fermés et qui ont peu, finalement, de potentiel de développement à partir de cette économie exogène. Dans les économies endogènes, ce qu'on entend, c'est tout simplement de la capacité à préserver de la valeur sur place, à transformer de la valeur sur place, à créer de l'emploi, évidemment, sur place. Mais ça nécessite beaucoup de choses, ça nécessite des investissements, bien sûr, ça nécessite du portage politique, administratif, ça nécessite du pilotage, au sens du pilotage de projets qui soient des projets d'envergure systémique, c'est-à-dire que quand on fait de l'énergie dans un territoire ultramarin ou dans une île ou dans un archipel, on ne fait évidemment pas que de l'énergie. On travaille aussi à des questions de développement, on travaille à des questions de bâtiments, on travaille à des questions d'aménagement du territoire, on travaille des questions d'égalité ou de réégalisation de certains territoires par rapport à d'autres au sein même de ces îles. Bref, quand on fait de l'énergie, en réalité, on est le point de départ de l'ensemble de l'économie locale et même de sa gouvernance et des logiques de citoyenneté d'un point de vue systémique. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette question de portage et comprendre à quel point l'énergie est au centre de tout un système qui est bien sûr bien plus grand que simplement faire des panneaux solaires ou de l'hydrogène ou que sais-je d'autre. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est l'impact que ça peut avoir, ces énergies renouvelables ou ces énergies nouvelles, sur la question du coût de la vie, sur la vie chère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, oui, c'est vrai, investir pour des énergies renouvelables ou des énergies nouvelles dans ces territoires, de fait, est quelque chose qui coûte cher. Les seuils sont relativement limités, il est difficile de faire des économies d'échelle, la massification est compliquée, etc., etc., c'est vrai. Cependant, à l'échelle du territoire, et ça, il y a de plus en plus de personnels politiques qui le comprennent, ils n'agissent pas forcément tous dessus, mais en tout cas, il y en a de plus en plus qui disent le comprendre. L'idée, elle est simple, c'est que avec ces énergies renouvelables, même si elles coûtent cher à l'investissement, ce qu'elles rapportent
dans le reste de l'économie de l'île en question est absolument bien plus important que les investissements importants qui ont été consentis au départ. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous développez des énergies renouvelables en Guadeloupe, par exemple, évidemment, hein, je prends l'île de cœur pour moi aussi, et vous qui êtes bien sûr en Guadeloupe, vous allez me comprendre tout de suite. Si vous avez donc effectivement des énergies renouvelables développées en Guadeloupe, sur place, certes, vous allez importer des panneaux solaires de l'extérieur, vous allez importer certainement quelques composants de l'extérieur, vous allez importer quelques matériaux de l'extérieur, c'est vrai, mais vous allez pouvoir développer une chaîne de valeur qui va permettre de substituer ces énergies renouvelables aux hydrocarbures qui, elles, sont importés depuis toujours et resteront importés depuis toujours de l'extérieur et qui apportent un triple coût au système insulaire. Le coût, bien sûr, des hydrocarbures en elles-mêmes, évidemment. Le coût politique de ces hydrocarbures, puisque derrière ces hydrocarbures, à l'échelle d'une île, comme la masse critique est faible, vous allez retrouver des monopoles d'importation et derrière des monopoles qui suivent sur la gestion de cet hydrocarbure, sur la distribution, etc., tout ce qui va être lié à cela. Et du coup, ensuite, sur la logistique, sur l'aménagement des territoires et tous ces monopoles qui peuvent être aussi liés et qui coûtent au développement du territoire. Et troisième point, vous allez tout simplement avoir le coût carbone, le coût environnemental, évidemment, de ces hydrocarbures, qui va être un double effet qui se coule, puisque du coup, vous allez payer les hydrocarbures une première fois et vous allez vous retrouver à payer soit en frais de santé publique, soit tout simplement avec les catastrophes naturelles induites par ces hydrocarbures, localement ou plus macroéconomiquement, et bien tout simplement, vous allez payer donc deux fois ces hydrocarbures. Donc, c'est tout ça qui entre en ligne de compte quand on parle d'énergie renouvelable, d'énergie nouvelle, d'hydrogène et que sais-je d'autre dans les territoires insulaires, qu'ils soient ultramarins français ou d'autres pays ou pas. Merci, M. Mered. Alors, pour poursuivre justement sur le possible leadership des îles, donc, quel est votre avis justement sur ce sujet? Est-ce que vous pensez que, et je pense sûrement que oui, que les territoires insulaires peuvent être vraiment des leaders sur ces questions, peuvent être leaders aussi sur des projets pilotes, par exemple, puisque on l'entend depuis très longtemps, l'outre-mer, territoire d'expérimentation, a énormément poussé par les fonds publics, notamment. Donc, est-ce que vous êtes convaincu et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce côté leader que nous aimerions probablement prendre sur les énergies renouvelables, voire sur des énergies nouvelles telles que l'hydrogène notamment, dont on parle énormément en ce moment? Bien sûr, merci de votre question qui est tout à fait pertinente et qui est éminemment logique dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, ça a été dit juste avant moi, de fait, les îles doivent compter d'abord et avant tout sur elles-mêmes. Et là, à ce moment-là, on a deux solutions. Soit on peut avoir une forme d'immobilisme ou d'attentisme, où effectivement, dans le cas notamment des Outre-mer, même si l'île compte d'abord et avant tout sur elle-même, en réalité, son personnel politique, ses décideurs économiques vont s'en remettre à la puissance avec laquelle, évidemment, le territoire peut être lié. Donc, dans le cas de la Guadeloupe ou de la Réunion, par exemple, ça va être évidemment la France, mais aussi l'Europe, l'Union européenne qu'il ne faut pas oublier, plus que d'aller chercher des logiques de développement dans l'écosystème régional. Ça, c'est quelque chose qui est largement documenté, qu'on voit évidemment depuis de nombreuses décennies. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une logique de post-décolonisation, eh bien, on voit tout simplement les différentes îles, qu'elles soient françaises, néerlandaises ou autres, essayer de s'insérer beaucoup plus dans l'environnement régional, ça a été dit avant moi, pour essayer notamment de bâtir des fonds, des masses critiques et des capacités de financement, in fine, qui soient plus importantes pour justement faire ces premières mondiales. Alors, pourquoi faire ces premières mondiales, comme on l'a vu dans le secteur du solaire ou de l'hydrogène, par exemple, dans nos différentes îles, françaises ou non? Eh bien, au départ, c'est aussi une question de coût. C'est-à-dire que, fondamentalement, le coût brut de production d'un mégawattheure dans les zones non interconnectées, donc faisons simple, dans les outre-mer français en 2016, était supérieur à 230 euros du mégawattheure. 230 euros du mégawattheure, quand on sait quels sont les coûts de production d'un mégawattheure en France hexagonale, aux États-Unis, au Danemark ou ailleurs, de fait, on comprend tout de suite que le coût de l'électricité dans les Outre-mer, en termes de production, c'est 4 à 5 fois plus cher, évidemment, que dans la centralité, l'Hexagone pour nous en France. Donc,
On part de cette question du coût de production. Cette question du coût de production, ensuite, on va la combiner, si vous le voulez bien, avec la question tout simplement de l'autonomie, de la souveraineté énergétique des îles. Vous le savez, en France en particulier, il y a une ambition qui a été fixée dans le Grenelle de l'environnement en 2009 et qui a été renouvelée dans la loi de transition écologique et la croissance verte en 2015. C'est un objectif donc à l'horizon 2030 d'autonomie stratégique des territoires ultramarins pour, en matière d'énergie. Et pour ce faire, il y a soit utiliser de la ressource locale, et typiquement dans nos territoires, comme par exemple en Guadeloupe ou à La Réunion, la bagasse est particulièrement utilisée, la biomasse en général, faisons simple, a été particulièrement utilisée, au point que les potentiels aujourd'hui d'effet de levier sur ces questions de biomasse locale est relativement limité. Donc, il va falloir faire le fil de levier sur autre chose. Ça peut être les gisements éoliens, ça peut être les gisements solaires, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être évidemment les possibilités de stack, ça peut être de la géothermie, bien sûr. Nos territoires ne manquent pas de cela. Et si on va même jusqu'en Guyane, bien sûr, qui n'est pas une île, mais qui est un îlot énergétique tout de même, ou si on va en Polynésie française, on va retrouver aussi de la possibilité de faire effet de levier sur de l'hydroélectricité. Mais l'important donc qu'on va avoir, c'est tout simplement que aujourd'hui, cet objectif de 2030 d'autonomie stratégique des Outre-mer, on ne l'atteindra pas. Parce que les investissements depuis 2009, quand cet objectif a été fixé, n'ont pas suivi tout simplement cette ambition politique ou réglementaire. Donc le sujet que nous avons aujourd'hui dans les îles, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit française ou autre, c'est un, faire effet de levier sur ce qui est possible localement, mais deux, ça va être aussi d'éviter les fausses bonnes solutions. Et ça, on le voit, je vais prendre un exemple guadeloupéen. Typiquement, quand en Guadeloupe, on décide de faire une centrale électrique, je ne vais pas citer de nom ni d'île particulière, mais vous allez très bien voir de qui je veux parler, quand on fait une centrale électrique avec de la biomasse, mais qu'on importe du bois de l'Amazonie brésilienne ou du subarctique canadien, de fait, on ne développe pas de l'autonomie stratégique. On va décarboner, certes, une partie, mais on ne fait pas d'autonomie stratégique. Et aujourd'hui, ce qui va être important pour nos différentes îles, et notamment pour celles qui ont véritablement l'ambition de se développer dans l'environnement régional et faire des masses critiques régionalisées, notamment donc dans la Caraïbe, mais pas seulement, bien sûr, ça va être de pouvoir éviter ces mauvaises solutions, ces fausses bonnes solutions, avec de l'autonomie stratégique, plus que simplement de la décarbonation en remplaçant du pétrole par d'autres matières importées. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. En tout cas, on peut rentrer dans le détail à la suite des questions si vous le souhaitez. Oui, effectivement, on peut pousser un petit peu, effectivement, vous parler de solutions qui étaient, en tout cas, considérées comme des fausses bonnes solutions, des solutions qui ne développent pas forcément localement l'économie ou en tout cas les forces vives du territoire. On dépasse aussi le développement durable puisque l'objectif, c'est vraiment que ça développe localement les forces vives du territoire sur lequel on s'installe. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, de solutions énergétiques innovantes qui, selon vous, du coup, seraient des solutions intéressantes et qui, on va dire, regrouperaient tous ces éléments, donc justement du développement durable et qui pourraient donc servir les territoires sur lesquels ils se développent? Bien sûr, alors il y a plein de solutions possibles en fonction des territoires. Chaque île va être différente, chaque archipel va être différent. Si on va, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, le fait qu'il y ait des capacités minières sur le territoire permet de développer des solutions propres à ce territoire qui ne pourraient pas du tout s'appliquer en Guadeloupe ou ailleurs. Donc, difficile de faire une généralisation. Mais il y a un élément qui, aujourd'hui, tend à apporter une forme de flexibilisation sur l'ensemble des investissements qu'on peut imaginer pour la décarbonation et l'autonomisation, les deux en même temps, des îles, c'est effectivement des solutions liées au Power to X. Et donc, le Power to X, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'hydrogène, certes, mais aussi les dérivés à partir de l'hydrogène. Vous pouvez penser à l'ammoniac, vous pouvez penser au e-méthanol et bien d'autres choses encore. Et ça a été évoqué précédemment, et notamment avec le cas de SMO Solar Process, qui est évidemment l'une des pépites en la matière, hein, évidemment en Guadeloupe, et qui maintenant fait de plus en plus tâche d'huile ailleurs. Vous avez d'autres premières mondiales qui ont été réalisées dans ce domaine du Power to X. On peut penser à ce que la SARA a fait, par exemple, en Martinique, avec les Canadiens de Ballard. On peut penser à ce que HDF, donc Hydrogène de France, à développer dans l'Ouest guyanais avec la centrale électrique de l'Ouest guyanais qui est la première centrale Power to X to Power, donc une centrale électrique qui permet de dérisquer et de
et de lisser l'intermittence du secteur solaire pour pouvoir fournir en permanence de l'électricité au réseau. Il y a évidemment des premières mondiales réalisées à La Réunion également, et encore dans d'autres territoires. Vous pouvez penser au Groenland, par exemple, où là aussi, c'est surtout l'hydroélectricité qui va être utilisée pour faire tout cela. Donc, le Power to X aujourd'hui est une approche, plus qu'une solution, c'est une approche, en tout cas un segment de marché, qui a le potentiel de pouvoir à la fois décarboner et autonomiser les territoires en matière de production électrique pure, mais aussi derrière, par adjonction de CO2 qui peut être éventuellement capté dans l'air ou qui peut être récupéré, par exemple, sur certaines usines ou que sais-je d'autres, développer des carburants, des e-fuels, notamment le e-méthanol, pour justement permettre de pouvoir aussi développer des carburants alternatifs sans que ce soit des biocarburants qui ont d'autres problèmes aussi et qui se sont révélés être des fausses bonnes solutions pour décarboner les transports dans les territoires ultramarins, par exemple. Donc, des solutions, il y en a effectivement plein qui sont en train d'être développées, mais je reviens sur un point qui est clé ici, c'est que sans une action coordonnée des décideurs locaux politiques, des capitaux risqueurs, des porteurs de projets, des universités, laboratoires de recherche locaux, sans une densité de ce maillage de coopération, donc bref, bâtir un écosystème en réalité, tout cela n'intervient pas, tout cela ne se développe pas et reste à l'état de bonnes idées. Merci beaucoup, Mika Mered. Donc, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po et spécialiste également donc, de l'hydrogène. Alors, je vois qu'il y a une question qui va faire le lien avec notre prochain intervenant, qui est Pierre Herouès, donc, qui est fondateur du Blue Forward Fund. Et il y a une question, je vois, qui est vraiment axée sur l'océan. Donc, est-ce qu'on utilise en fait les ressources qui viennent justement de l'océan? Donc, Monsieur Herouès, bonjour. Donc, vous jouez depuis plusieurs années un rôle clé dans le développement de solutions technologiques qui sont liées à l'économie bleue, donc des solutions environnementales. Aujourd'hui, on dit qu'on qualifie ces solutions de disruptives, puisqu'elles sont hors des sentiers battus, on va dire. Donc, j'aimerais savoir comment vous pensez que ces innovations technologiques qui sont autour de la valorisation de ressources naturelles marines peuvent booster les économies et le développement des territoires insulaires, puisque, je le rappelle, et c'est logique, les territoires insulaires sont entourés en fait, de mers, d'océans. Comment vous voyez en fait, ce rôle que peuvent jouer les technologies liées à la biomarine? Alors, tout d'abord, bonjour à tous, à tous ceux qui écoutaient. Je sais que le type d'exercice que vous faites aujourd'hui est complexe, puisque nous-mêmes, on a mené un événement 24 heures d'affilée autour du monde, et je sais à quel défi technique vous vous êtes confrontés. Donc, bonjour à tous les Iliens du monde. Et pour répondre à cette question-là, je vais revenir un petit peu en arrière et remercier Mika, avec qui j'aimerais bien pouvoir correspondre après, parce qu'il a bien résumé la situation. Il a peut-être été un peu plus poli que moi, parce que moi, je pense qu'on est toujours dans une logique en fait très descendante et très colonisatrice, notamment pour les îles françaises vis-à-vis de la dépendance de la métropole, alors que les îles autour du monde représentent le plus beau PIB du monde. C'est-à-dire que la France ne pourrait s'affranchir complètement de son endettement si elle avait voulu depuis le temps valoriser les îles et les territoires français outre-marins. Vous avez une richesse inégalée, et bien sûr, il va falloir développer des mécanismes financiers qui permettent de valoriser ce qu'on appelle la LCA, le Life Cycle Assessment, et on peut préparer avec de la finance, en fait, dite blind, en fait, des blended financing, des supports au développement économique endogène, comme l'a dit Mika. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas une solution unique. Vous êtes entouré de merveilles, qui est valorisé à quelques trillions de dollars, qui n'est pas exploité, qui n'a pas été exploité, ou très peu. On a juste gratté la surface en fait, de l'exploitation des bioressources marines. Et quand je parle d'exploitation, je parle d'exploitation durable. Dans tout ce qui est biomarine, et on a commencé biomarine en 2008, avec les Outre-mer et pour les Outre-mer. Et quand on a voulu développer en fait le concept de biomarine autour du monde, on a toujours impliqué que des solutions durables. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée, oui, il existe en fait des solutions. Il n'y aura pas une solution unique, on va parler de mix. Et dans le mix, la partie en fait des bioressources marines peut prendre une importance prépondérante.
Vous avez évoqué, Mika l'a évoqué, et vous l'avez évoqué, je crois, monsieur de Crédit Agricole, le problème des sargasses. Moi, je ne parle pas de problème, je parle d'une opportunité. Une fois de plus, si on avait traité en fait cette opportunité en son temps, on serait maintenant assis sur un volant d'action absolument phénoménal qui permettrait même de rire de la crise énergétique ukrainienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder autour de soi, il faut appliquer des solutions, je dirais, adéquates et liées à la logique économique en fait de chaque île. Il faut construire en fait des systèmes qui mettent en avant les collectivités locales, qui donnent le pouvoir aux collectivités locales et aux communautés insulaires, et non pas aux grands groupes internationaux qui vont faire en fait, qui vont donner le tempo et la mesure dans l'organisation et dans la manière dont ils veulent vous vendre leur énergie. Donc, pour revenir à cette sargasse, je me permets juste de vous interrompre une seconde pour vous demander si vous pourriez parler plus lentement pour les interprètes. Oui, je suis désolé. Oui, tout à fait, complètement. Donc, en ce qui concerne la sargasse, on est en train de travailler sur un investissement qui devrait être annoncé dans les jours qui viennent, qui permet de prendre de la sargasse fraîche et sous 3 heures, d'y rajouter un process enzymatique qui permet en moins de 48 heures d'extraire de la protéine, même si la sargasse pélagique n'est pas très dense en protéines, elle contient entre 2 et 7% de protéines, et le reste peut être transformé en carbohydrate, qui n'est ni plus ni moins que du gaz naturel. Et tout ça en 3 jours au lieu de 58 jours. Donc ce procédé en fait, nous a amené à créer un consortium avec mon ami Jean-Stéphane Raoul de Cariblinks, qui lui va s'occuper de la partie collecte. On est en train de travailler aussi avec une boîte américaine et une boîte néo-zélandaise dont l'idée en fait est de transformer cette biomasse algale en produit intéressant. Et avec la technologie en fait sur laquelle notre Blue Fund va investir, on voudrait utiliser ne serait-ce qu'une toute petite partie des 22 millions de tonnes de sargasses qui sont disponibles offshore pour pouvoir aller la chercher avant qu'elle ne rentre dans le Golfe, où la chlordécone et l'arsenic devient un problème assez important, et en fait la transformer d'une part en protéines pour l'indépendance alimentaire et protéinique en fait des îles, et en énergie. Quand vous savez que le litre de méthane est vendu à peu près aux alentours avant la crise à 1,06 € le litre de méthane en métropole, et je crois qu'il est à plus de 3,60 € en Guadeloupe. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et avec ces procédés que l'on mettra en place de manière intelligente, soit à partir de tankers qui ramèneront ça sur la côte et qui déverseront en fait le produit des tankers dans des systèmes assez simples à mettre en place, on devrait pouvoir donner très rapidement une indépendance énergétique aux îles, et pas seulement la Guadeloupe, mais à toutes les îles des Caraïbes. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur 6000 m3 qui seraient ramassés à travers un bateau dédié à ça, on pourrait générer entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires journalier avec des marges assez conséquentes. Et donc tout ça, ça rendrait une énergie propre, pas gratuite, mais presque gratuite et importante pour le développement endémique des îles. Et ça pourrait se faire de manière indépendante, en fait, de la métropole, avec ou sans support, puisque le projet économique est viable. Donc ça, c'est une réflexion très importante. Mais on parle de la sargasse, et je sais que je vais encore commencer à recevoir en fait des remarques de la part de nos amis environnementalistes, mais la sargasse est un pont continu maintenant entre l'Afrique et les Caraïbes. Et je ne parle pas, en fait, bien sûr, d'éradiquer la sargasse, ça serait complètement illusoire, mais la sargasse pose des problèmes assez importants aux environnements, en fait, océaniques, puisque maintenant la couche peut descendre jusqu'à 100 mètres, et l'eutrophisation qui s'ensuit est en train de causer des dégâts profonds dans le Gulf Stream, qui, comme vous le savez, est en train de ralentir, et qui va poser des dégâts qui vont coûter des milliards à tous les pays qui sont bercés par le Gulf Stream, y compris l'Europe, et qui pourraient engendrer à terme des changements climatiques assez brutaux. Donc, si on prend en compte la valorisation du patrimoine, je dirais, environnemental des îles, si on construit, comme cela se fait déjà, et j'ai vu qu'on avait un de nos amis du Mozambique
qui étaient présents sur le forum, si on construit autour des zones marines une valorisation de cette biodiversité, on peut attirer des fonds, on peut attirer des investisseurs privés, on peut attirer des investisseurs institutionnels et impact, et construire en fait des modèles qui soient durables et profitables. Donc, je crois que l'indépendance énergétique et l'indépendance alimentaire des îles n'est plus un point d'interrogation. Elle dépend de la volonté des pays qui sont liés à ces îles-là, et notamment dans le cas de la France, il y a cette volonté d'aller vers une autonomie énergétique et protéinique à 2030, mais je pense que nos politiques sont souvent pressées d'attendre le dernier délai et de voir quelles vont être les solutions entre-temps pour continuer le business as usual. Et je pense que le Crédit Agricole, qui a été une des premières banques vertes, et nous travaillons beaucoup avec les banques populaires, qui est aussi une banque bleue et qui s'implique beaucoup dans le financement de ces technologies-là. Je crois que notre fonds, qui est issu de C-Venture, donc qui est en relation avec le groupe Natixis, a pour vocation d'accompagner ces entrepreneurs. Vous citiez SMO, et j'adore bosser avec Yasmine, que j'avais pris de front tout à fait au début, quand je participais à un événement de la French Tech. Mais c'est une fille brillante qui a su comprendre en fait tout l'intérêt d'un produit comme SMO, et je lui ai dit que je ferais énormément d'efforts pour présenter en fait ces technologies, non pas seulement dans les French Islands, mais partout autour du monde. Parce que cette technologie est fondamentale, cette technologie combinée à cette nouvelle extraction enzymatique des algues va pouvoir permettre de faire un grand bond en avant sur la production de protéines et sur la production en fait de l'énergie. Et quant aux mécanismes de financement, ils sont là, et ils sont simples. Ce qu'il faut, c'est des projets un petit peu structurés, et il faut des entrepreneurs qui aient, comme on dit, des guts. Et je vous remercie, en fait, que ce soit Yasmine, que ce soit Jean-Stéphane, s'ils nous écoutent aujourd'hui, parce que ne baissez jamais les bras. La plupart des fonds que vous irez voir vous diront « c'est trop tôt, ah, c'est compliqué, il y a du risque ». Mais il y a beaucoup de moyens de dérisquer ces projets-là, et il y a plein de fonds impact philanthropiques qui permettent de dérisquer en fait ces approches-là. Donc, si on valorise bien au niveau des régions et des gouvernements locaux le patrimoine biodiversité, on va pouvoir attirer des capitaux qui vont permettre de développer ces projets à un rythme accéléré. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, et je dis à toutes les nations qui vous écoutent aujourd'hui, à toutes les îles, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des opportunités. Que vous soyez dans l'Arctique, il y a énormément de possibilités d'utiliser les algues et les ressources biomarines. Que vous soyez dans l'hémisphère sud, c'est exactement la même chose. Et je crois que l'avenir, en fait, est entre vos mains. Et bientôt, les pays européens et les pays dits développés se retourneront vers vous pour utiliser vos bioressources marines comme étant l'ingrédient fondamental de toute la structuration économique à venir. Je crois que vous êtes en mute. Je ne vous entends pas du tout. Vous êtes en mute, effectivement, je ne vous entends pas non plus. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ah, parfait. Ça y est, voilà. D'accord. Donc, je vous disais merci, monsieur Aouès. Alors, on a eu plusieurs questions entre-temps. Vous avez déjà commencé à y répondre, mais effectivement, il y a une question qui nous était posée sur le cash. Où est-il? Où aller le chercher? Moi aussi, j'avais une question effectivement sur les investisseurs privés. Quelle articulation effectivement entre les différentes sources de cash qu'on a? Et une dernière question qui portait justement sur les projets. Est-ce que vous pouvez donner des types de projets plus précis? Alors effectivement, quand on regarde, ne serait-ce que sur Internet, vos fonds que vous avez créés, on voit qu'il y a de multiples valorisations de ces matières premières. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets et puis même peut-être des exemples futurs qui sont en train d'être imaginés en fait par les personnes qui travaillent dans le cadre de vos fonds? Alors, restons sur la biomasse et les algues. Nous avons créé, il y a quelque temps, une non-profit qui s'appelle Seaweed First et qui travaille avec toutes les communautés insulaires pour leur donner en fait les rudiments de compréhension au niveau de ce que l'on peut valoriser. Quand vous produisez une algue, les gens vont vous dire « Ah, on va acheter ça aux alentours de 2 euros le kilo ». Bon, si vous transformez cette algue-là, vous pouvez la vendre jusqu'à 500 euros le kilo. Donc, ce qu'il faut, c'est donner les moyens
à ces producteurs, les fermiers, qui sont les plus importants dans la chaîne en fait, de développement de la valeur, le moyen d'attirer de l'investissement. Et donc, nous, à travers cette non-profit, on a développé un index qui prend en compte les critères environnementaux, les critères sociaux, c'est-à-dire est-ce qu'on ne fait pas travailler des enfants, est-ce qu'on ne fait pas travailler des gens à des conditions qui ne sont pas acceptables, et les critères économiques. Et cet index, en fait, qui va être testé déjà au Maroc et en Tunisie prochainement, va être déployé dans beaucoup de pays, et ça permettra de donner aux investisseurs et aux industriels une idée d'un pré-due diligence, on va dire. Ben, effectivement, là, la ferme est bankable, où cette ferme doit se regrouper avec d'autres, et on va même pousser au regroupement en fait, des acteurs de la culture des algues pour qu'ils puissent représenter une somme plus importante qui soit assurable. Parce que le risque à l'heure actuelle sur la production de biomasse est que les algues ne sont pas assurées ni réassurées. Donc, il faut arriver à consolider tout ça. Une fois que vous avez une ferme qui produit, nous, on peut arriver avec des technologies comme celles que j'évoquais, avec des outils qui sont portables, c'est-à-dire qu'on met ça sur une barge et on va passer de ferme en ferme. Donc, les collectivités locales qui peuvent investir dans des licences peuvent permettre en fait, de desservir toutes ces fermes, que ce soit au Nord-Canada, en Alaska, en Australie ou même dans les îles. Et donc, on va faire de l'itinérance en fonction des récoltes. On va transformer ces produits soit en protéines, soit en valeur ajoutée. Et les fermiers vont vendre ça à un coût supérieur et vont pouvoir réinvestir à leur niveau. Donc, quand vous regardez ça, on intervient à ce niveau-là plutôt avec des fonds impact et avec des fonds institutionnels qui vont être combinés. Alors, malheureusement, l'argent de l'Europe va beaucoup sur des projets qui sont continentaux et moins sur les projets en fait iliens. Et c'est un peu dommage parce que je pense que si l'Europe pensait comme la France en stratégie extraterritoriale, elle aurait beaucoup plus d'accélérateurs, notamment sur les facteurs croissance bleue. Et en fait, ces fonds-là, après, vont être abondés, puisqu'ils ont été dérisqués, par du private equity ou du VC. Et quand on va arriver à des outils, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une ferme va être intégrée verticalement et qu'on va commencer à transformer les produits, les investisseurs vont venir vers eux. Parce que être fermier, c'est un métier. Mais être fermier et transformateur, c'est une haute valeur ajoutée et les investisseurs savent que demain, les grands challenges sont sur l'énergie, sur la protéine et sur les ingrédients alimentaires. Or, quand on sait que les algues, quand on passe par la step-by-step biorefinery, on peut extraire des biofertilisants, des biostimulants, on peut extraire des sucres qui vont vers des bioplastiques, on peut extraire en fait des alginates qui sont utilisées dans la viande, dans la confection, dans plein de choses. On peut aussi extraire de la protéine, on peut extraire des molécules pharmaceutiques. Vous savez que le seul spray anti-Covid qui a été validé par deux grandes études cliniques est issu d'algues rouges qui sont poussées, en fait, qui poussent du côté de Zanzibar, mais qui pourraient pousser aussi dans les îles. Et ces molécules-là permettent, en fait, pour ceux qui n'ont pas accès au vaccin, de se protéger de manière efficace et peu chère. Donc, les algues sont une vraie beauté, et je sais que les îles en sont pleines. Il y a les sargasses, qui sont aussi une opportunité. Et puis, il y a toute la biomasse, avec les concombres de mer, avec les résidus de l'aquaculture, qui permettraient en fait de valoriser tous ces produits-là. Donc, du point de vue de l'investissement, dès lors que vous avez une vision, je dirais, holistique du potentiel biodiversité autour de l'île, derrière, il faut faire un schéma directeur qui va permettre en fait de construire la transformation de ces éléments-là et construire avec les fonds philanthropiques, les fonds dérisqués en fait, institutionnels et les VC, construire des business models. Et tous les dossiers, si vous avez des dossiers, moi, je les regarde. Et si je ne peux pas y répondre, je vous trouverai en fait les contacts pour vous envoyer vers les personnes qui, eux, pourront y répondre. Merci. Effectivement, on avait des remarques sur des personnes qui souhaitent échanger avec vous, vous envoyer des projets. Donc, je vois plusieurs personnes qui ont effectivement fait cette demande. Donc, votre réponse a été entendue. Je finirai peut-être en vous demandant, comment finalement on fait pour passer d'un système à un autre? Donc là, vous donnez des exemples concrets, par exemple dans la manufacture, dans la transformation, dans l'alimentation. Mais comment finalement on fait pour qu'une société, notamment mondiale, puisse passer d'un système à un autre et finalement d'un système qui est assez consumériste
un système qui soit plus durable. Alors, j'ai en tête un exemple qui sera, par exemple, le textile. J'ai vu notamment que les algues peuvent être une matière première pour créer des vêtements. Mais comment faire pour passer justement du système que l'on connaît actuellement à un futur système qui sera plus durable? Alors, ça, c'est une question, en fait, qui demanderait deux jours pour avoir une réponse, en fait, conséquente. Mais je crois que c'est la somme des petites initiatives. Vous avez parlé de la fibre textile. Effectivement, on est en train de travailler sur des projets pour remplacer les fibres textiles du moment par des fibres naturelles. Il existe pas mal de solutions, mais il faut qu'on arrive à avoir maintenant une capacité de faire grossir la production en fait des ressources premières. Et une fois qu'on aura atteint une taille suffisante, on pourra vraiment commencer à entamer la mutation. Donc, changer de modèle sociétal, ça commence par une attitude quotidienne, vous, moi, faire le choix des produits et aller vers des produits qui peut-être vont vous paraître plus chers, mais qui derrière vont développer en fait l'économie locale. Et moi, je serai chez vous en Guadeloupe, je regarderai à deux fois si je dois acheter des produits qui viennent de la métropole ou si j'ai la possibilité de créer un circuit court pour produire local et acheter local. Merci beaucoup, Monsieur Aouès. Donc, il nous reste à peu près 4 minutes, même 3, je crois, avant la fin donc, du débat. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans l'Assemblée? Et nous terminerons à ce moment-là par peut-être une ou deux questions, le temps de finir. La première est la plus dure, c'est ce qu'on dit? Non? Mais Priscilla, moi j'en ai une pour votre Assemblée. Ah, moi, j'ai une question pour votre Assemblée. Moi, je voudrais savoir si dans votre Assemblée, il y a des gens qui croient au futur de leur île et si ces gens-là sont vraiment et intéressés pour construire, ne serait-ce qu'autour de chez eux, faire une étude qui permettrait de recenser toutes les matières premières dans l'environnement marin qui existent autour de chez vous. Et si vous êtes d'accord pour ça, contactez-moi parce que moi, j'ai suffisamment de relations dans tout le bassin des Caraïbes pour commencer à faire un référencement et commencer à avoir une vision holistique de ce que l'on pourrait faire et valoriser. Donc voilà, ça c'est une question et une demande envers toute votre assistante. Merci, bien ça a été entendu. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de retours. Je vais laisser la parole à Audrey qui va finaliser donc cette session. Thank you very much. I'll switch back to English. I'd like to thank all the audience. I know we had some requests of speaking in English, so all the session will be recorded and available in English on all our platforms, our websites, LinkedIn, YouTube, and Twitter. You have the name of all the speakers of today. Thank you a lot, the Village by CA that hosted us today in the Guadeloupe Islands. And the next session is about energy in an hour. So feel free to connect again. We'll be back soon. This is the day 6 and you have the last day of the Virtual Island Summit tomorrow. And again, thank you everyone. Thank you the audience. Thank you the speakers. And thank you all from all the islands and countries in the world. See you soon. See you soon in Guadeloupe. Take care, guys. Thank you very much.